président commission des affaires étrangères, Sénat République, là, qui était à l'évaluer représentation diplomatique Haïti, dans pays étranger, pareil, pour soumettre rapport travail, libre bureau Sénat. Et Valia Beauplan dit, les constater en pile, dans personnel diplomatique, yo, pas qualifié. Et c'est ça qui est la cause, en pile, là, yo, pas joué une accréditation, dans pays, côté l'État, voyeux, à le représenter pays, hein. Selon sénateur, co-nomination en pile, dans personnalité diplomatique, qui pas qualifié, yo, t'es fait pendant régime tête caléa, il souhaitait autorité, yo, choisi moun qui qualifié pour bien représenter Haïti dans l'autre pays, au sénateur et Valia Beauplan, dans micro, Enchel Adrien. La diplomatie haïtienne a traversé un moment très difficile. Côté nous-mêmes, sénateurs de la République, côté par responsabilité, pour nous partir en délégation, pour nous aller évaluer différents problèmes que la diplomatie a confrontés. Ce n'est pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui, hein. C'est des problèmes qui datent de très longtemps. Mais cependant, chaque pouvoir qui passait, c'est au lieu d'améliorer la situation, donc c'est empiré, avec un volume de nominations qui a fait de part et d'autre, des nominations qui n'ont pas respecté les normes, et ensemble de missions diplomatiques, dans l'espace côté au loger, l'État haïtien droué. Il n'est pas arrivé pris à temps, d'où chaque jour le problème est compliqué. Et nous avons tourné, et moi, en tant que président de la Commission Affaires étrangères, nous avons accompagné de trois autres sénateurs, Lucas Pierre, sénateur Nenel Kassi et sénateur Salomon Junior. Côté, nous avons tourné et Miami, nous faisons Chicago, nous faisons New York, nous faisons Boston, et nous faisons Mission Nations Unies New York, nous faisons Atlanta, qui permettent, nous faisons Orlando, qui permettent que nous avons idée des situations difficiles. Il y a un bagage que nous découvrons pendant la tournée, c'est que grand pile nomination, nous avons fait mandat. Président Michel Martelly, c'est déjà grand pire monde qui nommé et que côté mission yo, en fonction des espaces que logé, il pas correspond à volume nomination qu'a fait yo. Et dans leur nomination qu'a fait dans fait mandat, président Michel Martelly, dollar était à un niveau X et je dis en dollar augmenté, étant donné que le budget pays a fait en goutte, de chaque fois que dollar augmenté, obligé bon volume goutte pour payer employé yo, je dis à mission diplomatique, on est en situation très difficile pour payer employé. Les moments qui sorti dans la semaine, ça, c'est le moment d'homme pour payer mois d'août. En novembre, ou capable d'expliquer des taux au monde qui est accrédité à l'étranger et que l'État doit 2-3 mois. Donc, situation ça très compliquée. Il faut que le monde ait des possibilités pour le payer assurance si petit malade, si malade. Il faut des possibilités pour le payer loyer côté lié. Il faut des possibilités sans doute pour le payer l'école petit nous. C'est des bagailles que nous dénonçons et que nous sortions dans la porte. Nous demandons pour corriger. L'autre bagaille que nous découvrons comme faiblesse en diplomatie, il y a pile monde qui travaille à l'étranger. En principe, il y a un monde qui est nommé en Haïti, il y a une fonction diplomatique et la convention de Vienne sur les relations diplomatique dit qui condition pour que moun sa rempli pour un diplomate. Faut que au moins il passe dans l'école de diplomatie, faut que moun nan un diplomate de carrière côté que yo honoré, il commence X dans affaires étrangères, il vient prendre grade, il capable venir agent consulaire, vin vice-consul, vin consul et même rivière ambassadeur. Je dis en faiblesse qui est c'est que yo dit en dans convention du Vietnam pour qu'on rempli rôle ça, faut que pour c'est national moun. Ça veut dire que si yo moun représenter Haïti à l'étranger, que soit aux États-Unis que soit au Canada, il doit gagner nationalité haïtienne. S'il pas gagner nationalité haïtienne, il pas qu'à rempli rôle pour que les diplomates parce que le diplomate ou pas un passeport ou de guerre ou un passeport privé certes mais un passeport qui marque passeport diplomatique assez souvent la nomination qui fait yo que je ne gagne pas le monde qui nomme c'est des mondes qui gagnent résidence c'est des mondes qui citizen ça veut dire que les citoyens américains aux citoyens canadiens. Le monde a un statut, ça, il est capable de travailler dans la mission diplomatique. Il est capable de travailler comme contractuel. Mais il n'est pas qu'à consul, il n'est pas qu'à vice-consul, il n'est pas qu'à agent consulaire, il n'est pas qu'à ambassadeur. Nous, Haïti, pas respecté nos mieux. Dans ce sens, à chaque fois, nous avons un type de nomination, ça, qui fait. Mais vous voyez, non, ça, on a un département d'État, côté Mounaïe, que ce soit à Paris, que ce soit à côté lié. Il a enregistré, mais vous avez eu accréditation. Vous avez eu 4 balis qui fait que pays l'accrédité là-dedans, reconnaître les comme diplomate. L'aile, bon statut de résident, ou bien les citoyens américains, ou bien canadiens, ou bien français, l'État français, l'État canadien, l'État américain, pas accepté pour le ballon statut de diplomate. Nous laissons mon avis en contravention à l'État côté l'accrédité. Et tout ça, le temps de remplir comme rôle pour aider pays à sortir dans les pas, chercher une bourse d'études, rentrer dans le congrès, on n'y pas capable. C'est le bagage que nous demandons pour nous corriger, tout comme contractuel, qui est des nominations que tu as faites, et que vous prenez plaisir pour nommer Moussa Yodi au rang de consul, au rang de vice-consul, au rang d'ambassadeur. Ça n'a pas existé dans la convention de Vietnam. C'est ou bien ambassadeur, ou bien au contractuel. D'où rapport nous finit, et que nous soumettons rapport par la commission affaires étrangères, nous sommes tenus à mettre grand public au courant pour que tout ça que tu as fait avant, tu ne peux pas comprendre, c'est suivre un rapport nous que l'affaire étrangère t'a magie. C'est aujourd'hui automatiquement que je viens parler à la presse, que je vais envoyer une copie officielle par l'affaire étrangère pour que les capables de commencer pour la responsabilité et corriger toute dérive. Administration privée, Jean-Charles a convoqué forum directeur général Lio, côté yon ensemble disposition d'où est prend pour préparer bilan activité gouvernement.
Objectif forum, ça, c'est permettre d'arriver à harmoniser contrat, droit public entre l'État et diverses autres entités dans le pays, et en façon pour tabler bonjour transparence dans l'administration publique, la Ganito François. Notre schéma institutionnel nous impose un exercice de transparence et de reddition de comptes périodiques. C'est un forum qui est réalisé dans l'idée pour informer tout directeur général dans l'administration privée Jean-Charles là sous toute dernière décision et dossier qui a fait actualité au Tadoué mette accent pour bonne marche gouvernement. C'est occasion pour non seulement arriver à approfondir sur quelques dossiers estimés qui sont importants, mais tout mettre accent sur un ensemble exercice schéma institutionnel là imposé. Président Jocelyne Privert. L'un des objectifs de ce forum est d'informer sur les dispositions à prendre pour la préparation du bilan des activités du gouvernement. Le deuxième objectif de ce forum est l'harmonisation des contrats de droit public passés entre l'État et les entités tierces. Il y a nécessité d'harmoniser les standards et les procédures et les documents utilisés. D'après le secrétaire général Primati à Marie-Dès Ménager Alexandre, rendre compte dans des lois qui prévoient pour ça, c'est un principe qui a favorisé bonne gouvernance. Toutefois, il insiste tout sur nécessité qui gagne pour travail en équipe, ça qui permet d'arriver à faire un pas. Je voudrais vous rappeler que rendre compte est une obligation qui participe des principes de la bonne gouvernance de l'État. Il implique qu'il soit inscrit dans l'agenda de nous tous en tant que gestionnaire des services publics. Malheureusement, il est observé que les automatismes dans ce domaine sont défaillants, tant dans la qualité des rapports que dans le respect des délais. C'est vrai, toute attention est censée porter sur l'atmosphère politique là, dans le pays à dernier jour. Toutefois, ce n'est pas une raison pour le directeur général de ne pas faire travail pour y faire combler à tant de population hein, qui chaque jour a fait face à un moment difficile. Sinkwe, secrétaire général Primatia, qui travaille chaque directeur général doit gagner impact sur toute action gouvernement. Ganito François, Caraïbe FM. Président Fédération Nationale Magistrat continue à faire pression sous gouvernement pour faciliter mairie payer arriéré salaire. Situation ça a déjà gagné gros conséquences sur fonctionnement administration publique d'après magistrat Kafouan Jude Edouard Pierre dans le micro Jean-Georges Blaise. On mérite 21 mois le bac à toucher. Nous autres, nous avons avec le président privé, il entend sous principe que Kobla retourne après tourner. Effectivement, Kobla retourne sous contenant d'après déclaration du directeur général là. Mais depuis environ 12 jours jusqu'à présent, nous voulons dire que pas de nos engagements que tu prends, pour Kazek et Mério jouent comme ça aujourd'hui. Élection privée dimanche prochain, jeudi à nous prenons la mairie de Carrefour, citoyens ont gagné, employés ont gagné 12 mois au batouché, c'est ma gagné 21 mois. Eh bien, pour me citer Mousse Commune ça seulement, c'est pareil pour Gonaï, c'est pareil pour Tigua, c'est pareil pour toute commune, la Gonave pareil, donc on va comprendre que si comme la retourne, jeudi encore comme ça pour être disponible sur Mério pour faire payroll. Et nous attendons que le ministère là voulait parler seulement de 1 million de gouttes là pour communio, mais payroll là, payroll employé yo, pour yo toucher, pour yo gagner force pour yo travail. Comment imagine un citoyen qui a touché 600 dollars, 700 dollars dans voirie pour faire 12 mois qu'il n'a pas qu'à toucher, alors ce gars là, j'ai pu faire le bagage. Et puis nous pour aller dans Cité Soleil, habitant dans Pigo Bidonville pays a organisé un marche pacifique jeudi pour protester contre la mort d'un individu qui tombait en babal dans la lutte mardi pour l'ouvrir journée mercredi en Jaxa d'après manifestants fait partie d'une manœuvre pour déstabiliser Cité à quelques jours avant élection yo quelques manifestants dans micro Jean-Georges Blaise. Alors qu'on fait son façon, pour les autres fêtes, tout ce qui est fait pour violence fête, on a mis tout, mais nous sur violence. Dans quel quartier vous êtes tiré, monsieur là? Bon, je tire, monsieur, soif, dans la verre. On bat contre qui tu es, monsieur? Qui bat contre? Bon, on bat contre Pitbou. Bien sûr. Nous, c'est ça. Est-ce qu'on était elle-même? Nous, ouais, loin à deux yeux, nous. On paie à Mario, on paie à Mario qui m'a créé Pitbou, et puis on paie à uniforme. Et pour qui ça, tu es, monsieur? Bon, là, nous, on avait dit, pour que ça soit bien dit, pour que ça soit politique. Et nous prenons la RIA, son façon, pour nous cagoumer, pour sacrer la paix. Et c'est sur les guinées, pour 4 à 6 mois, depuis la première pour la paix. Ça veut dire gros coup monde qui va là pour la paix. Mais pas je veux dire que nous perdons Bazou. Mais pour qui ça?
Nous avons fait façon pour le bazou moui, pisser sur les en désordre, pour leurs difficultés, pour qu'elle ait bureau dans la cité. Cette fois-ci, ça va passer. C'est bon calme, l'Androunia, l'Androunia, après ça qui passe. Je dis à nous font match pacifique pour nous dire camper. Avec impunité, ça, nous dit camper. Avec l'injustice, ça, nous dit camper. Avec crime. Ça va petit l'élection. Ça va quand il va petit l'élection. Parce que chaque qu'on est raconté, Maïa, il prend la chambre quand même. Pour citer Soleil capable de représenter. Bon, dans des livres, dans plusieurs autres médias, il y a déjà candidat à l'Hérisson et Tête Calée, Marigo dans le sud-est, qui parlait d'un appareil que l'équipe Tête Calée a gagné pour te bloquer vent et que Vacabon, ça y est, qui arrivait dans Tête Pays, en parlant de gouvernement provisoire, pas payé. C'est ça que fait vent, cyclone, non, vient frapper pays. Extraordinaire. Extraordinaire. Et nous, on prend l'entrée quoi il est là dans le port de paix à correspondant nous Saint-Jean Whisky, puisque il y a une manifestation qui fait dans le port de paix. Et Saint-Jean, comment y est? Est-ce qu'on peut nous plus de détails concernant la manifestation ça? Nous saluons tout le littérature qui se crée au côté de Namoumoussa. Et comme dit nous consacrer depuis aux environs de midi 30. Il ne parle de faire qu'on est en panne, qui s'allie. Tout parent vient chercher Timoni à l'école, roche à tirer, bouteille, gaz acrymogène, et puis barricade enflammée, caoutchouc, à bouler dans la ville. Information, c'est qui s'allie, c'est hier dimanche là, nous avons un garçon qui portait nos questions, Jérémy. Nous sommes employés à CF. Dans le moment où c'était Angel, nos places publiques dans la ville là, nous sommes recevoir trois cartouches dans la tête. Qui sait que c'est mon prend la région jeudi à protester dans la rue énergique, mais en pile des ordres, parce que il dit qu'on s'occupe parce que il y a sur la belle loi perdu. C'est parce que information tombe d'ici au policier Ibno qui pote nos Mike, qui t'a touillé monsieur dans le cadre conflit forme. C'est ça que la situation a été tendue jusqu'à cette présence en ministère dans la ville de paix. Côté en haut, pas monté, en bas, pas descendre. Non, mais on n'a pas là. C'est qu'on y a collège Notre-Dame qui a dit de relâcher Timonio à 3 heures. C'est qu'on y a, il veut Timonio la caillou. Et on dit, c'est pas qu'on vous veut Timonio la caillou, c'est parce que c'est pareil pour vous chercher Timonio. Caille-sœur, c'est le même constat. Parlant au cas de Timonio, il parle de Timonio. Si c'est au cas de Timonio, c'est pareil pour une chercher parce que tellement il n'y a pas de la guettine dans l'arrière, tellement situation anti-gens compliquée en dans la ville. Parce que nous avons dit qu'on s'appelle une jeune justice des questions dirait nous qui mourions parce que monsieur pas malade, il pas interné sous cabane à l'hôpital et puis pour lui livrer jeune homme comme ça, ça a indigné la population par le PA. Information rapportée, son jeune garçon au policier Ibno qui portait nom Mike ainsi que nous qui tatouillé monsieur. Wilkins, ça n'a pas passé à l'élection. Nous ne connaissons que si il y a monde qui a pu filtrer dans le dossier. C'est parce que son information, son élection suivent. Mais nous ne faisons connaître que. Protestataires, nous faisons connaître que. Si toutefois que vous avez une arrestation, maille. Si toutefois que vous avez une justice qui a cherché, dimanche, pas de l'élection dans le là. C'est ça, on dit. Mais Kounia là, puisque on dirait qui est en situation, est-ce que situation calme Kounia là? Situation pas calme. Si nous en passer la police qui gestionne les villes là, de temps en temps, gaz acrymogène, coup de gauche à droite, de temps en temps, la police en repas, on dit, dans le moment que je parle avant là, on fasse qui c'est bon à la ville de paix. Mais bon, il y a un peu de petit monsieur qui dit, c'est toute notre situation, pour retourner, il y a une grosse vie à chercher justice. Qu'est-ce que c'est qui nous rit parce que à Suya, nous ne pouvons pas passer, mais pour nous, la police n'a pas dormi, la police n'a pas chômé. Mais sur l'information, il fait gay, puisqu'on dit que depuis dimanche, le crime a été fait. Depuis dimanche, le crime a été commis dans la ville de PM, c'est elle qui a été dit dans la place publique dans la ville là, dans la place publique. Mais on ne connaît pas exactement qui ça a été passé. Non, plage publique dans la ville là. Non, plage. On ne connaît pas qui est ici, d'être là. Information, c'est parce que le moment que monsieur est sous plage là, téléphone où se sommet, même se rentrer dans ma. Et pendant les gars, bruit dans la plage, il faut que tu danses et musique, et tout là, monsieur sorti rentrer en dans ma chine, pour la éteindre sa. Pour la prendre,
prêtre téléphone, mon prêtre message là. Puis, yo crié M. Abal. Yo même fait 3 balles dans la tête. Mais information rapportée son policier Ibo, et ce même policier Ibo, dans le moment que la population a bossé sous commissariat par le père tout à l'heure, information rapportée c'est monsieur qui voyait gaz la prochaine sur eux. C'est ça que nous sommes plus choqués, d'une plus énervé. Donc, policier Ibo, ça, il suspect qui t'a fait crime, non? Il est toujours en poste dans port de paix. Nous pas dit monsieur en poste dans port de paix, non, parce que jusqu'à 70 minutes, nous pas capable de rentrer dans le commissariat, parce que il n'y a pas un accès pour rentrer, parce que nous dit, il n'y a pas quitter mon entrée. Nous avons battu pour nous entrer, nous pas capable. Parce que depuis qu'il y a eu les manifestations, il n'y a pas descendre dans le commissariat. Mais bilan, pas gen, ni moun blessé, ni moun mouri. Pas rien blessé, pas rien moun qui mouri. Nous pas connaissons ça pour assurer, parce que d'ailleurs, tout le monde est suspendu toujours. Et la veille élection, comment ça y est, bon côté bête nord-ouest là? Élection, bon, population parle pour y aller voter, mais comme d'où, campagne électorale, autigent civil du département nord-ouest là. Parce que Jean, dans la première époque, il n'y a pas ce genre de campagne électorale pour chauffer les candidats dans la rue à gauche, à droite. Ou si j'ai pas remarqué ça dans une porte de paix, dans le département de l'Ouest, dans l'Ouest. Si quel candidat ou capable de remarquer qu'il a fait campagne dans une porte de paix, dans le communio, après ça, ou pas remarquer, ou pas le gonflet électoral à travers le département de l'Ouest, comme quoi, pas Mounio, Géon, Gouchon, puis elle vote, vrai. Parce que par les candidats, on n'est pas venu bon côté pour capable marchander. Bon, en fait, pour solliciter votre et ouais, il y a un candidat pour tiers Sénat. Oui. Oui, tiers Sénat, il y a un candidat là-dedans, il y a un sénateur en fonction, tant que sénateur bien-aimé. Non, c'est dans l'Ouest. Nord-Ouest, excusez-moi, trompez-moi. Et dans Nord-Ouest, c'est qui est-ce qui candidat là? Sénateur social du Cap-Saint-Ville. C'est qui est-ce qui candidat dans Nord-Ouest? Dans Nord-Ouest, nous avons François du Cap-Saint-Ville. Oui, c'est ça, c'est la fonction, c'est ça. J'ai quelqu'un au 10 pour qu'elle ait pu acheter ça. Mais combien on est? En tout cas, environ ces 12 candidats pour départ mon nord-ouest là. Ok. Et puis, bien sûr, il y a l'élection présidentielle là. Et donc, bête là, est-ce qu'elle mobilise? Élection présidentielle là, et population mobilisée de temps en temps. Mais bête là. De temps en temps. Mais est-ce que bête nord-ouest là mobilisée? Oui, bête nord-ouest là mobilisée parce que. Et dimanche là, petit dimanche pour venir, samedi dimanche, j'ai organisé des séminaires de formation pour mon BVO, quatre départements nord-ouest là. Ça veut dire que bêtement de se parler pour élections, nous pas connecter pour population, parce qu'il y a des mises en place, c'est-à-dire que c'est bêtement de se faire connaître. Eh bien, si j'en ai pris un contact, aussitôt, tu as l'autre information à faire connaître. Absolument. Merci beaucoup. C'est correspondant dans le nord-ouest, dans le nord-est, et c'est Jean Wiskis. Nous avons entré dans Port-au-Prince, côté président Jocelyn Privert, parlé encore aujourd'hui de l'élection qu'a fait dimanche. Nous avons dit que le premier ministre Enek Jean-Charles a fait tout ça qui dépend de lui pour l'élection capable de bien passer dimanche 20 novembre qui a venu là. Chef de l'État fait déclaration ça jeudi dans le centre convention BRH qui trouvait en bas la ville là. L'occasion d'ouverture un forum pour directeur général dans l'administration publique. Là. Et président Jocelyn Privert dit élection ça a un paquet d'importance pour l'avenir démocratie dans le pays. Là. Dans le sens, ça l'encourager tout le monde qui concerne yo, dans ça qui concerne yo, pour yo jouer propre partition. Président Privert fait connaître population besoin, monde qui a légitimité pour capable mettre plan. Et pour couper et tout défi que le pays a gagné pour mettre en application politique publique pour qu'elle réponde à pile à paquet besoin peuple.
Naptadel qui parle comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridoué. Un échéancier majeur et un rendez-vous crucial qui nous attend, les élections. Nous sommes à jour J, moins 4. Et vous connaissez tous l'importance des prochaines élections pour l'avenir démocratique de notre pays. La population a besoin de dirigeants légitimement élus pour élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques capables de répondre à ses besoins. Les défis économiques, sociaux, environnementaux et humains qui sont devant nous sont grands. Il nous faut des hommes et des femmes disposant de toute la légitimité constitutionnelle et populaire nécessaire pour les affronter. C'est ce que ces élections sont appelés à nous apporter. Avec le Premier ministre, je le répète, avec le Premier ministre, un ancien collègue de travail, un ami, nous n'avons ménagé aucun effort pour organiser et réussir de bonnes élections impartiales, honnêtes, inclusives, crédibles, transparentes. Vous avez tous, à quelque titre ou à un autre, contribué à rendre possible cet échéancier indispensable pour l'avenir de notre pays. C'est le train de la dernière chance. Si on veut vraiment mettre ce pays sur les rails de la stabilité politique et augurer de jours meilleurs pour les générations futures, c'est plus que jamais le moment. En tant que dirigeant, vous avez la responsabilité historique. Nous tous ici, ministres, directeurs généraux, premiers ministres, présidents, fonctionnaires de l'État. J'invite chacun de vous à jouer sa partition pour que ces élections soient exemplaires à tous les égards. Voilà, c'est dans le discours que tu fais jeudi à l'occasion ouverture du forum. Ça, pour nous retourner sous lui. Et président privé, tu es parlé contre le forum pour directeur général dans l'administration publique. Là, hier, tu as envoyé un message et jeudi à retourner encore sous l'élection qui a fait dimanche. Nous avons une déclaration qui sortit dans l'ambassade américaine concernant l'élection qui a fait dimanche 20 novembre. Mais ça le dit, dimanche 20 novembre, les Haïtiens pourront participer dans l'élection pour élire le président qui pourra gagner pour diriger le pays. Ils pourront voter tout pour des parlementaires. Nous saluons les mesures qui n'ont pas qu'à importance que le gouvernement haïtien avec le conseil électoral provisoire adopté, surtout après le cyclone Mathieu a fini passé, pour permettre que l'élection, que le monde a fait confiance, est faite dans la date de prévoir. Et ça encourage nous, nous regardons l'amélioration et qui portait le conseil électoral provisoire, portait dans le processus électoral là, et nous exhorter tout acteur qui a participé pour faire ça de façon totale capitale et sans bris, sans compte, sans sang pas couler, qui sont pacifiques et dans le processus démocratique. Ça, c'est toujours déclaration du gouvernement américain à travers l'ambassade de Port-au-Prince. Donc, encourager tout Haïtien qui enregistré sous liste électorale pour exercer droit citoyen pour voter pour candidat que y a choisi. États-Unis noté avec caisse sauté côté gagné de parole et du feu qui a parlé concernant l'élection ça yo. Et il noté tout gagné incident violence et qui fait pendant la campagne électorale. Alors, il dit les États-Unis notent avec inquiétude des cas de rhétorique incendiaire. Donc, des paroles terribles concernant l'élection. Et quoi, KEPA te dit ça dans plusieurs communiqués publiés 17 septembre, 31 octobre, 14 novembre, toujours ambassade de Cap Palais, tout parti politique, yo, y a gagné pour devoir, pour yo assurer yo que campagne y a mené en fait dans la paix, et selon ça, la loi est dit dans question ça. Nous saluons la déclaration du Conseil électoral provisoire, qui dit que le pape toléré a fait violence dans le cadre élection ça. Et craponnage, intimidation, violence dans question élection, c'est des bagailles qui inacceptables et ont des mauvaises conséquences sous participation citoyenne dans l'élection d'après sa déclaration a poursuivi pour dire. Avant élection 20 novembre qui a fait là dimanche, nous redit encore c'est le gouvernement américain qui parle à travers l'ambassade dit essentiel que tout acteur et gouvernement et la justice pour Mounsayo, pas ni pour Da ni pour Succéda, dans l'élection qui pourra le faire. Nous exhorter le conseil électoral, la police, gouvernement haïtien, et pour Moun qui a financé ou bien qui a participé dans Zak pour faire craponaille avec violence dans l'occasion d'élection, pour Mounsayo,
yo fè yo pote responsabilité que y a gagné Jean que la loi mandé. Ça veut dire que et pour pas dans joint ak moun sa. États-Unis prend note et que gen des secteurs qui concerné nan élection, la parler de moun qui impliqué nan zak violence nan question élection. États-Unis redit encore li supporte démarche pour processus électoral sa bout Jean que calendrier a et deal et pour faciliter que gon président qui élu qui tabli dans tête pays a dans commencement année 2017 elle pas mettre date 7 février et après élection qui ta doué honnête et pacifique d'après ça ambassade l'a précisé donc il dit que déjà a perdu patience tellement y a ton président ça moun ça que peuple en pral élu et pour yo capable travailler avec dans cadre et partenariat pays d'Haïti avec États-Unis qui pas jodia mais qui l'a depuis dix d'antan pour capable corer rapport en deux pays. Voilà, c'est déclaration ambassade américaine la veille élection dimanche qui insistait en pile sur aspect violence dans question élection et qui exhortait gouvernement, conseil électoral provisoire, la police, la justice, tout le monde pour prendre responsabilité pour couper monde qui vient avec rhétorique question violence. Et moun ki soti pou fè craponay moun k'ap finanse ou bien ki a organisé activité sa yo ambassade américaine nou konnen ki retourner sou position et puisque les tout bagay te écrasé concernant élection 2015 yo et américain te mauvais même gens avec communauté internationale en général qui rassemblé dans corps groupe et nou konnen t'ap koré équipe tête caléa dans élection t'ap pral faire ki t'ap pral abouti ak yon seul candidat t'ap pral participer dans élection. États-Unis c'est si tant mauvais te retirer reste comme te gagne dans basket fond non mais après cyclone nan fin passé Mathieu li retourné pour accompagner l'état haïtien pour élection organisée parce que li dit que après ça que se passé là il pas de prévoir Mathieu yo protocolé pour permettre que travail fait à travers UNOPS qui sont branche Nations Unies des plantons dans pays d'Haïti et pour capable mettre logistiquement Haïti prêt dans zone qui dévastée pour ca organiser élection. Ambassade là lui-même pas de bail qui valait l'argent li débloqué. Et puis depuis d'ça il multiplié déclaration pour faire louange pour conseil électoral là et pour montrer que y a tant élection ça yo pour processus ça qui dérapé depuis quelques temps et finalement pour le bout à presque deux ans depuis question élection a parlé dans pays d'Haïti. Bon côté parle gagné Fondation Héritage qui se représentant Transparency International. Un organisme international qui a bataille contre corruption et qui fixe position tout la veille élection dimanche. Et à travers Fondation Héritage Transparency International lance un appel by électeurs haïtiens pour voter selon conviction patriotique yo et selon conviction en tant que citoyen pour ça yo quoi qui a bon pour pays yo dans élection présidentielle et législative qui a fait et qui gon paquet important sur paquet enjeu là-dedans yo et là-dedans yo c'est moun qui t'a supposé prendre être là pour bien gouverner pays hein et pour stabiliser ça les bonne gouvernance non Fondation Héritage féliciter média yo lui dit qu'il fait un pile effort et pour présenter candidat ba population avec programme yo cependant il constater que gen en pile dans programme politique ça yo candidat yo yo présenté et parti yo bien plateforme yo et qui gen pile lacune là-dedans yo concernant stratégie avec détail comment yo pral mettre pour appliquer programme ça yo et Transparency à travers Fondation Héritage dit on noter tout gen en pile déficit dans ça qui concerne puis fois programme yo dans ça qui gen avec une bataille sérieuse tout bon contre corruption qui tout non gangrène dans politique dans pays d'Haïti et tout. Il n'a pas parlé presque de questions mettez en application Convention des Nations Unies contre corruption, CNUCC. Il parlait tout de diverses actes de corruption. Nous connaissons pendant la dernière année ça qui blaye tout partout dans les affaires politiques dans le pays d'Haïti. Trafic, influence, et scandale politico-financier, et toute qualité d'actes malversation et qui fait, et toute prévarication, toute qualité. Et que la presse parlait de ça tout le temps pendant 10 dernières années qui sont passées là-yo, bon, une idée globale de qui est à déliquescence générale
système politique nous y est, et ça veut dire morale publique là li à terre. Fondation estime que électeur gen droit pour exiger moun qui a demandé pour al voter pour yo, pour moun ça prendre des engagements fermes concernant des plans actions spécifiques pour al mener pour combattre cancer ça et les corruption. Électeur tout yo gen droit pour exiger moun qui pral représenter yo, pour c'est des moun qui gen yon niveau hot pot dans ça qui concerne moralité. Faut que c'est des moun qui digne qui capable représenter yo dans niveau piwo dans question moralité publique. Transparency encourager chaque citoyen et chaque femme, chaque garçon pour prendre information par tout moyen que yo gen à disposition yo. Concernant qui route chaque candidat est fait avant d'arriver devant pour demander pour aller voter pour eux comme candidat pour évaluer qui compétence pour ça gagne qui expérience yo gagne qui degré honnêteté qui vision pour monde qui va voter à citoyen lui-même pour capable faire des choix qui clair qui objectif. Transparency à travers Fondation Héritage exhorter électeurs pour yo pas tomber dans perlin yo pral tann yo qui c'est manipulation à corruption les que pour pas accepter ces vendre yo pral vendre vote pour petit crasse monnaie pour parce que yo dit a ba un petit bagaille kembe dans main yo alors que vote ça il pral permettre une équipe monde prend tête pays pendant 5 ans et qui ka faire de gros dommages. Fondation exhorter chaque citoyen femme ou garçon pour prendre conscience de gens situation générale pays a grave grave sous la graba et pour pas faire n'importe qui choix tête chaud faut que yo connaît qui est moun yo pral élu élu comme président république élu comme parlementaire cap gagner pour yo gen direction pays a nan men yo pendant 5 l'année qui a venir là. Alors chaque bulletin vote yo compter pour capable orienter qui route pays a prend pour avenir. Est-ce que c'est route qui peut aller dans progrès à route qui a peine dans modernisation pays hein? Ou bien est-ce que c'est route qui a kemben chaque jour plus pour plonger pifon dans sous-développement et misère. Bulletin vote qui dans mon nom il gon paquet importance pas la guerre n'importe comment parce que bulletin vote ça il comptait c'est position Fondation Héritage qui représentait Transparency International en Haïti qui a bataille contre la corruption. Et c'est Marilyn B. Alien qui est en tête de Transparency Haïti. La fois premier campé.